En manchette, aujourd'hui, à Saint-Cuthbert, les élus discutent des terrains inondés. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 6 novembre 2024. Dans un premier temps, nous allons parler des différentes activités, les prochaines activités qui se dérouleront ou qui seront organisées par le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré. Par la suite, on s'attardera au conseil municipal de Saint-Cuthbert, la séance ordinaire ou régulière qui a eu lieu lundi. Donc, les prochaines activités du CABA, on rappelle qu'il y a une importante campagne de financement, une levée de fonds qui se déroule présentement et c'est encore possible de participer à cette levée de différentes façons, notamment en visitant le Jean Coutu à la Valterie, parce qu'il y aura tirage de 2 cartes cadeaux d'une valeur de 100 $ chacune. Donc, il y aura une qui sera tirée le 7 et une le 8 novembre. Un tirage par jour à 18 heures. Il faut se présenter entre 10 heures et 18 heures au Jean Coutu à la Valterie. On rappelle qu'en octobre, le 17 et le 18 octobre dernier, 2 autres cartes avaient été tirées au Jean Coutu de Berthierville. Donc, c'est ce tirage, évidemment, vous vous procurez des billets. Donc, et on ramasse des fonds pour le Centre d'action bénévole d'Autré. Il y a 2 activités aussi en préparation. Il y aura une visite des membres du CABA ou des gens qui s'inscrivent samedi le 24 mai. C'est loin, mais il faut s'inscrire d'avance. Une invitation du Centre d'action bénévole d'Autré. C'est la victoire de l'amour. Ça sera présenté à Québec. Il y aura pour l'occasion, évidemment, lors de cet événement plein de vedettes, de gens connus que vous pourrez écouter, entre autres, Mélissa Bédard, Guylaine Tanguay, Patrick Normand, Nathalie Laure, Sœur Angèle, etc. Il y aura donc des chansons, de la musique, des présentations, des témoignages, tout ça animé par celui qui anime la victoire de l'amour à la télé, Sylvain Charon. Les tarifs sont 103 $, donc ça inclut le voyage et bien sûr de Berthier à Québec, ou 115 incluant la boîte à lunch là, du midi, organisée ou préparée par la popote roulante du CABA. L'inscription et le paiement, ça doit se faire avant vendredi 29 novembre. On rappelle, c'est le 24 mai, mais on veut être certain, évidemment, d'avoir la quantité de gens nécessaires pour organiser cette sortie du Centre d'action bénévole d'Autré. Vous désirez plus d'informations, bien vous appelez au CABA 450-836-7122, 450-836-7122, ou vous visitez le site web www.cabautré, donc CABA Autré. .com. C'est un rendez-vous. Là, on rappelle, on vous a donné les noms, c'est des conférences, des témoignages, tout ça. C'est un samedi, le 24 mai, on vous le précise. Le départ se fera le matin à 10 h du CABA. On prendra d'autres passagers au resto Le Gosier à Saint-Barthélemy. On prévoit arriver au Centre Vidéotron de Québec à 12h15. Le spectacle « Victoire de l'amour » est entre 13 et 16 h. Il y aura du temps libre dans le Vieux-Québec, souper aux frais des participants. Le départ, 20h30, on revient au CABA vers 22h30, donc c'est un rendez-vous. L'autre activité est assez particulière, c'est bientôt, donc mercredi le 13 novembre à 13h. On vous invite à rencontrer les artistes de la Géante. La Géante, c'est cette présentation en hommage ou inspirée de l'histoire de Rose Lapoune-Ouellette. Donc, c'est une activité, comme on dit dans le milieu culturel, de médiation. Les artistes du spectacle La Géante organisent en effet des rencontres VIP avec le public pour discuter des thèmes du spectacle, du contexte historique, de l'histoire et de l'impact de Rose Ouellette au Québec. Lors des rencontres, les artistes présentent le processus de création du spectacle
et toutes les étapes menant à la production d'un théâtre musical au Québec, de l'idéation à l'écriture du texte, la composition des chansons, les maquettes du décor, les costumes, etc. Donc, on prévoit des rencontres intimes, uniques, inoubliables même entre artistes et citoyennes et citoyens, qui permettent de plonger dans le monde du théâtre et de démocratiser la création originale de façon ludique, accessible et très divertissante. Donc, pour rencontrer les comédiens et discuter avec eux de La Géante, c'est mercredi 13 novembre, 13h au Cabas. Il faut s'inscrire absolument, c'est gratuit, mais on demande, si vous le désirez, d'offrir une contribution volontaire à l'entrée. Donc, il faut s'inscrire avant le 12 novembre. Pour s'inscrire, 450-836-7122, 450-836-7122. Plus d'infos, www.cabautré.com. Donc, c'est un rendez-vous. On poursuit maintenant où on se déplace jusqu'à Saint-Cuthbert. Lundi cette semaine, le conseil municipal de Saint-Cuthbert tenait sa séance ou son assemblée mensuelle, l'assemblée régulière. Lors des questions, la première question a porté sur les personnes qui ont été sinistrées lors des pluies diluviennes, il y a déjà fin août, mois d'août donc, les sinistrés de la rue Vadnais. On a parlé de rétrocession de leur terrain à la municipalité. On sait que plusieurs résidences ont été complètement inondées rue Vadnais là, en raison du débordement de la rivière. Dans un premier temps, on va écouter une résidente de la rue Vadnais qui demande des précisions à sa municipalité. Mélanie Toupin, du domaine Vadnais. J'ai deux questions. Une question qui s'adresse vraiment à mon terrain, à moi, puis un autre qui est plus général là, pour les résidents du domaine Vadnais. Pour ceux du domaine Vadnais, je voulais savoir, parce que bon, le règlement du remboursement avec le ministère là, de la Sécurité publique, il n'est pas à 100% parce qu'on a une autre partie une fois que le terrain a été cédé. Mais est-ce que vous allez reprendre le terrain même s'il reste une hypothèque dessus? Parce qu'on a besoin de ce remboursement-là pour rembourser l'hypothèque de l'immeuble actuel. On voulait savoir là, si, lorsqu'on passe chez le notaire pour céder le terrain, l'hypothèque, il va rester une partie, là. En fait, l'hypothèque, ça, c'est la garantie que l'institution financière a sur la propriété. Mm-hmm. Donc, évidemment, quand on va passer devant le notaire, l'institution financière va avoir été remboursée. Bien, en fait, non, parce que nous, on reçoit juste une avance qui n'est pas la totalité de l'hypothèque. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas rembourser l'intégralité de l'hypothèque parce que le ministère va nous rembourser l'autre partie une fois que tout va avoir été fait. C'est ça. Mais la transaction notariée va se compléter une fois que tout va avoir été... C'est parce que eux, le ministère, ils ont besoin de l'acte notarié pour donner le dernier versement. OK. Fait que là, c'est ça. Là. Je pense que ça n'a pas été clair. Peux-tu s'informer là-dessus? Parce que nous, c'est ça qu'on nous dit que l'autre partie va être versée quand... la démolition, on va avoir reçu le certificat de conformité de démolition et que l'acte de vente du terrain va avoir été fait. C'est là qu'ils vont nous donner la deuxième partie. On prend les informations auprès de notaire. Il y a probablement déjà des procédures là, pour... que les oui, parce que là, on cède le terrain. T'sais, c'est pas comme c'est une vente ordinaire. Là. Oui, c'est ça. Fait que peut-être vérifier avec votre conseiller. C'est ça. Techniquement, quand le terrain est cédé, évidemment, il ne faut pas qu'il soit rattaché à aucune créance. Mm-hmm. L'hypothèque, c'est une créance. Oui. Mais là, est-ce qu'il y a des procédures légales que le notaire peut appliquer qui va faire comme de quoi qu'il y a un engagement de votre part à rembourser, en tout cas? C'est ça. Il doit y avoir quelque chose, on va s'informer. Parce que moi, de mon côté, mon agent, c'est ça qu'il me dit. Mm-hmm. Donc, peut-être vérifier avec votre agent là, du MSP.
Oui. Fait que ça, c'était comme pour l'ensemble des résidents. Là, oui. Je suis sûrement pas la seule dans la situation que l'hypothèque n'est pas complètement payée. Deuxième chose, lorsqu'on va céder le terrain, mon terrain, là, il y a un grand trou béant là, parce que l'eau a passé devant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que est-ce que je dois remplir ça? Parce que là, ça s'est agrandi avec le temps, puis il a continué à pleuvoir, puis tout ça. C'est fait que là... Ben, l'entrepreneur, lui, il fait juste... Il va juste démolir, lui. Mais il remet un atout, là. Il a plani tout, là. Ouais, il mais enlève c'est... la piscine, il enlève les fondations. Oui, ça, je comprends ça, mais le gros trou, là, qui s'est ouvert devant l'entrée, on fait quoi avec ça? Okay. Tu sais, quand on arrive en bas de la côte, là... Il y a au moins trois pieds qui rentrent dans le cours, mettons. Là, il y a un trou, là. C'est ça. Là, j'ai pas de visuel. Oui, comme une grosse crevasse, là, comme s'il y avait eu un tremblement de terre, puis ça s'était ouvert, là. Okay. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que le terrain doit être cédé, sécuritaire. Donc, il doit être, Parce que c'est juste une partie, tu sais, parce que mon terrain, il est quand même assez grand, puis il est fait en forme de U, là. Fait que, tu sais, comme tout le reste... C'est juste cette partie-là. Bien, on va s'informer parce qu'à notre connaissance, le contracteur qui démolit, il remet tout à plat, comme s'il n'y avait plus de maison, rien. S'il y a un trou, bien, il faut qu'il remplisse le trou, j'imagine, là. Puis la terre, elle doit être allée plus loin aussi, hein. La terre, elle s'est poussée du côté de la rivière, là. Oui, voilà. C'est allé dans la rivière, il y a de la roche, il y a de la tourbe, ouais, c'est ça. Bien, c'est on va s'informer de ça aussi. Mais je pense que l'entrepreneur, je pense pas qu'il y ait de problème à tout niveler ça. Tu sais, parce que quand il va enlever les fondations, quand il va enlever l'installation septique, ça, c'est des gros trous qu'il va devoir remplir et égaliser. Je pense pas qu'il y ait de problème à remplir la fameuse crevasse. Là, même ça doit être... Bien, quand même assez gros. Une heure, là, par rapport au reste. Oui, peut-être pour eux, là, mais c'est quand même... je ne sais pas si ça va engendrer des coûts supplémentaires. C'est spécifique. Je sais pas quoi dire, là, parce que le contracteur, bien, comme je vous ai dit, là, à notre connaissance, il mettait tout en état. Faut-tu qu'il ajoute de la terre, de la roche ou autre, je ne sais pas. Mais... Peut-être égaliser ce qu'il y a là, puis un petit peu plus bas, mais égal. Oui. Juste pour que ça soit dangereux pour les gens qui... Parce que ça va être un terrain vague après, là. Il peut planer, là, j'imagine. C'est ça, là. Oui. OK. D'accord. Mais si vous pourriez aussi vérifier, je vais vérifier de mon côté. C'est bon. Merci beaucoup. OK, merci. Donc, un important dossier à Saint-Cuthbert, suite aux inondations monstres qui ont détruit plusieurs résidences là, dans le domaine Vadnais. Au retour de la pause, on retourne à Saint-Cuthbert. Les élus adopteront des résolutions justement touchant ces propriétés du domaine Vadnais. Allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600$ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000$ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Gilles Bilodeau en ce 6 novembre. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On retourne à Saint-Cuthbert. La municipalité de Saint-Cuthbert, donc les élus, lors de leur séance mensuelle de lundi dernier, ont adopté une résolution qui concerne justement les terrains inondés du domaine Vadnais suite aux inondations du mois d'août dernier. Donc, on regarde et on écoute la résolution qui touche ce dossier. Point 9, demande de le point 9, le point 10, le point 11 et le point 12, c'est tout le décret pour les démolissements du domaine Vadnais. Donc, le point 10, c'est demande de M. Melvin Cormier, de Mme... Non, t'as non, peu, c'est point 9. Point 9. Demande de M. Normand Bergeron, 241 rue Vadnais. Ouais, donc, c'est dans le programme d'assistance financière lors de sinistres du ministère de la Sécurité publique où M. Bergeron doit faire démolir son bâtiment. Et pour qu'il puisse se faire acheter sa propriété et se faire payer la démolition du bâtiment, il faut que la municipalité s'engage à acquérir le terrain de M. Bergeron pour 1 $. Et donc, c'est la résolution comme de quoi vous vous engagez à acquérir le dit terrain pour 1 $. On a une question. Oui? Là, on fait quoi, dans le fond, avec la situation de madame? Parce que là, les autres, on suppose que les terrains sont libres de dettes puis tout, là. Bien, j'imagine qu'on va s'informer à notre notaire, mais le cas de madame Toupin, peut-être qu'il se reflète sur les autres aussi. On va regarder ça. Dans la résolution... On laisse ça comme ça, ben on marque libre de dette. Bien, de toute façon, normalement, la notaire, quand elle fait les recherches sur les titres, elle va soulever le fait qu'il y a, une hypothèque de liée à une propriété. Après ça, vous n'êtes pas tenu de respecter la résolution quand il arrive quelque chose comme ça, là. Mais c'est sûr qu'on va vérifier là, s'il y a une procédure auprès de la notaire là, pour libérer. Là, mais moi, je pense pas que ça vous engage à accepter le terrain s'il n'y a pas de façon de s'assurer que l'hypothèque va être libérée. Là. C'est-tu correct pour toi? Toi, t'as peur d'être pris avec l'hypothèque? Ben, je sais pas. C'est un questionnement que je me pose. C'est pas que je vais pas les aider. Non, je le sais bien. Mais c'est sûr, c'est parce que là, il faut qu'on fasse ça le plus vite possible aussi, parce qu'il y en a qui ont commencé des travaux. Oui, eux, ils ont besoin de la résolution, en effet, là, pour que les travaux puissent commencer puis que les remboursements puissent commencer. Moi, je veux pas leur nuire. Je veux pas qu'on se retrouve juste avec une... Je sais pas si les autres me comprennent. Oui, on comprend ton questionnement. C'est quand même important. Bien, c'est sûr que dans les recherches de la notaire, j'imagine qu'elle s'assure qu'on est libre d'hypothèque pour la quittance. Là. Oui, ça, c'est ça. C'est la base. Il doit y avoir un mécanisme comme quoi que dans le contrat qu'on va signer avec eux autres, que l'hypothèque devient... On est libre d'hypothèque. À un moment donné. Mais c'est assez important. Est-ce qu'on peut faire une modification? Oui, on peut-tu ajouter, considérant quelque chose? Oui. Bon, oui. Ça, c'est un projet de résolution. Vous pouvez la modifier, aucun problème. Vous pouvez ajouter conditionnel à ce que la propriété soit libre de toute créance ou qu'il y ait une procédure qui permette de la libérer après la transaction. OK. C'est la correct condition. Pour vous autres? Si on... Oui. Si on rajoute cette clause-là, oui. OK. C'est pas des nœuds, parce que mon propre père, il y a une maison là. Oui. Ouais. Bien, Mme Toupin, vous avez soulevé un bon questionnement. Oui. Je ne veux pas retarder le processus, là, mais
Non. C'est quand même important. C'est une bonne question. Ce que je me rends compte, c'est qu'est-ce que le ministère de la Sécurité publique nous dit à nous, c'est pas du tout la même chose qu'ils vous disent à vous. OK. Donc, bon, mais c'est noté. On va prendre les informations. N'inquiétez-vous pas. C'est-tu proposé peut-être à modifier ou... Non, ça, c'est un projet, c'est pas okay. officiel. Là, mais, tu sais, en conséquence, le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal s'engage à faire l'acquisition du lot 4,206,406 du cadastre du Québec pour la somme nominale de 1 $ une fois la démolition ou le déplacement de la résidence par le propriétaire sur un autre terrain de tous les autres biens situés sur son terrain, incluant les fondations, conformément aux exigences du ministère de la Sécurité publique, qu'au moment jugé opportun par la direction générale, Maître Mali Laporte, notaire, soit chargé de la préparation de l'acte translatif de propriété inhérent à cette transaction, que copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Normand Bergeron et Mme Caroline Thorne, technicienne d'administration au MSP. Là, on va rajouter la clause concernant que la propriété soit libre de toute créance ou qu'il y ait un processus légal permettant, après la transaction, de libérer la créance. Quelque chose rédigé dans le genre, là. OK. Il faut rajouter une autre que. OK. C'est correct pour vous autres? Oui. C'est proposé par? Sylvain Toupin. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10. Demande de Melvin Cormier et de Mme Lise Richard, 310 rue Vadnais. Donc, on est dans la même situation. Ça. C'est la même résolution, mais pour... Puis on va ajouter la même... Oui, exactement. Donc, Vincent Bergeron. Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, la même chose pour Madame Réjeanne Saint-Amand, de 261 rue Vadnais. Richard Dion. Élise. Élise Fafard, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 12, demande de Mme Mélanie Toupin, 200 rue Vadnais. Elle, on va dire non. Éric Deschaines. Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 1er octobre dernier à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants, Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de la Nausière, le 23 octobre dernier à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Jenny et Mélodie, Tommy Dupuis,
ses petites filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabriel Charbonneau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant pour les bons soins qui lui ont été apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi le 9 novembre à 15h30 pour une cérémonie d'envolée de lanterne. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 22 octobre dernier à 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoinette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Vièvre Caron Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rita Nourry, Feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin et Marie-France Bernier, Robert Gosselin, Feu Huguette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Aline Caron, Annette Caron, Feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Antonin Caron, André Visselette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 10 novembre, 13h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 15h. M. Mario Blondin sera inhumé au cimetière de Saint-Charles, au cimetière à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Jacques Barthe, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Barthe Jean-Houd, sa petite-fille Joëlle Houd, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Georges Barthe, feu Agathe Drinville, sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 novembre, 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, sur une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Barthe sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'averses. Une température de 12, un temps ressenti de 11, moins 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de 7, un temps ressenti de 5. Jeudi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 7, un temps ressenti de 5. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 10, un temps ressenti de 7. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo.